Amis de l'institution, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Que serait eh bien, le football sans un stade, des supporters, une histoire, une culture? Probablement rien. Hommage aujourd'hui donc au Celtic de Glasgow, au Celtic Glasgow, qui est un club magnifique, un stade magnifique. Vous avez vu ce chant repris sur l'air de Depeche Mode qui est assez connu. Il y a plein de vidéos sur Internet qui circulent. Je vous encourage à aller voir à chaque fois. Ça me donne ces frissons, puis c'est un club que j'aime bien. Vous voyez, je porte ce très beau maillot sur les épaules aujourd'hui. Je vais revenir dans un instant sur le match entre Reims et Nantes, mais je voulais évoquer l'actualité, c'est le derby, c'est le match contre Troyes, très important, Lanterne Rouge, match capital qui permettrait à Reims eh bien, de faire un bond très important pour le maintien en Ligue 1. Et j'ai vu du côté de Metz, on va dans l'Est, que le président Bernard Serin, qui n'est pas forcément très populaire parmi les supporters. Hein. Hein, il y a eu plusieurs conflits ces dernières années, que ce soit avec la Horda ou les générations Grenat. Eh bien, il a décidé d'offrir le déplacement aux supporters à Bourg-en-Bresse, donc un match très important pour la montée pour le football club de Metz. Metz-Bourg-en-Bresse, c'est 400 km. Et je voulais faire un instant mathématique. On sort le tableau de la maîtresse d'école. 30 euros, voilà le prix du déplacement plus la place pour aller voir les Stacks contre le Stade de Reims. Vous avez 500 personnes, c'est la taille du parquage qui est prévu, en tout cas c'est les chiffres, le chiffre que j'ai vu, le nombre que j'ai vu sur le site du Stade de Reims. 500 x 30, on peut faire ça facilement de tête, ça fait 15 000 euros. C'est une somme, 15 000 euros pour une personne, mais pour une SASP, un club professionnel qui a 7 millions en réserve, ça peut passer. Donc pour 15 000 euros, vous emmenez 500 personnes qui vont mettre une ambiance pas possible au Stade de l'Aube qui sonne creux cette année, la faute au résultat médiocre de l'Estac. Pour un club comme Reims, c'est largement finançable. Et puis, je voulais faire un petit parallèle drôle, moi ça me fait sourire. 15 000 euros, cela équivaut à une amende et demie d'Olivier Guégan qui n'a pas son diplôme. Voilà. Donc en gros, 135 minutes d'Olivier Guégan sur un banc de touche, ça équivaut à emmener 500 supporters au Stade de l'Aube. Le monde est cruel et il est ainsi fait. Allez, on revient dans un instant. Transformation. Bonjour, je suis Nostradamus Rémois et j'ai eu la chance d'assister au match entre Reims et Nantes, victoire 2-1 du Stade de Reims. Quelle joie d'avoir vu une défense à 4, je la réclamais, je la voyais depuis longtemps, cette défense à 4 qui est revenue, et puis un football plus pragmatique, voilà, une équipe qui laisse un petit peu le ballon, c'est tout ce qu'il nous faut pour aller chercher ce maintien. Fini les bizarreries tactiques, 4-3-3 ou 4-1-4-1, c'est comme vous voulez. Alors heureusement d'ailleurs que lors de cette rencontre, l'entraîneur en chef de l'institution eh bien, s'est réveillé de sa sieste au bout de 75 minutes pour faire son premier changement parce que eh bien, si Ndom, qui fait une bonne rentrée, ne remplace pas Prince Onyangé, qui était carbo physiquement, eh bien, ça aurait pu être pas forcément l'issue que l'on connaît. Reims a fait une première mi-temps correcte, cohérente, j'allais dire, sans que ça soit foufou. Il y a des occasions, il y a un but, un beau but de Prince Onyangé en reculant pied gauche. Voilà, Prince qui a fait un retour intéressant, il a eu que quelques séances d'entraînement seulement, il revenait, donc voilà, il manquait affreusement de rythme, ça s'est senti sur la deuxième période, mais en première mi-temps c'était intéressant de retrouver ce Prince buteur-là qui nous avait fait tant plaisir sous le mandat, la fin du mandat d'Hubert Fournier. Amari Traoré, je l'ai trouvé complètement paumé, il était avancé d'un cran, il n'était pas latéral droit, il était plus milieu droit, il a touché très peu de ballons, défensivement il ne savait pas forcément où se placer, franchement j'étais un petit peu inquiet de la prestation d'Amari Traoré là-dessus, ça ne lui va pas du tout, et puis quitte à mettre Antoine Conte en position de latéral droit, pourquoi pas mettre Laz Moungoura par exemple, qui lui est moins concentré sur les tâches défensives, mais peut être intéressant, et puis voilà la réflexion. Quand vous mettez Amari Traoré, c'est pour vous mettre des beaux centres dans la surface de réparation. Il n'y a pas forcément de grands qui étaient susceptibles de reprendre ces ballons à l'intérieur de la surface de réparation, de la tête, je pense bien évidemment, à notre ami David Ngog. Deuxième période, on a une équipe de Reims qui se liquéfie totalement. Alors, comment l'expliquer? La peur peut-être de gagner. Reims a mené, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe du Stade de Reims mener au score.
Et puis, voilà, le retour à un système plus adapté ne gomme bien évidemment pas les erreurs individuelles, les carences individuelles qui sont encore nombreuses. Au niveau de la défense, la relation avec le gardien, c'était quand même un peu compliqué. Le nombre de ballons ou de situations pour une simple remise à un gardien qui ont failli aboutir à un but nantais. Carasso, j'avais un peu critiqué au début, puis voilà, en revoyant un petit peu les choses, je revois mon jugement. C'est vrai qu'il a été décisif sur la fin, il a sorti des arrêts. Il y avait un article dans Rouge et Blanc qui stigmatisait un petit peu le fait que Johan Carasso ne sortait pas des arrêts décisifs. À juste titre, là, il a été décisif dans un match très important. Eh bien, c'est tant mieux pour le Stade de Reims. Nicolas Depréville, encore une fois, impérial, extraordinaire, avec ce coup franc, certes avec de la réussite, puisque c'est Sabali qui le dévie, mais la réussite, ça se provoque, puis il a provoqué énormément de fautes, il a été virevoltant, que ce soit à gauche ou à droite quand il a permuté. Bravo pour Nicolas Depréville, pas forcément comme Thievi Bifouma, qui certes provoque la faute qui amène le coup franc, mais voilà, c'est s'il pouvait mettre ses qualités de vitesse, de déplacement au service du collectif, ça serait un excellent joueur, le Thievi Bifouma. Derby à 3, match crucial. Voilà, le 3 qui n'a gagné que 2 matchs. Vous êtes obligé de gagner parce que si sur une saison vous ne battez pas cette lanterne rouge, si en 2 matchs vous n'arrivez pas à les battre, le match nul à l'aller, on le rappelle, un but partout, bah, est-ce que vous méritez de rester en Ligue 1? Pour un petit parallèle, le Gazélec a fait match nul au Stade de l'Aube et a ensuite perdu sur son terrain face à l'équipe de Troyes. Reims n'a plus gagné dans l'Aube depuis 1973, ça fait longtemps. Si on excepte le match national où il y avait eu match nul, Reims reste sur 10 défaites en Ligue 1, Ligue 2, D1, D2, c'est comme vous voulez, au Stade de l'Aube. Un poncif du football dit que les stats sont faites pour être démenties. Ben, écoutez, on va voir ça. Si Olivier Guégan n'aligne pas une défense à 3, logiquement, il y a bon signe. Il y a une bonne chance qu'on revienne de l'Aube avec les 3 points. Je voulais terminer cette chronique par un parallèle entre Olivier Guégan et Laurent Blanc. Laurent Blanc a tenté un 3-5-2 contre Manchester City, il s'est planté, défaite un but à zéro. Le pari tactique aurait pu tenir parce que je n'ai rien contre ce système, hein, ça peut marcher, sauf que si vous mettez ça et qu'il n'y a qu'un seul attaquant de pointe, c'est quand même assez étrange et puis ça a laissé un vide abyssal au milieu comme le Stade de Reims. Mais bon, le pari tactique aurait pu marcher si voilà, il y avait une meilleure animation, on va dire. Mais je voulais me concentrer sur le message qui a été envoyé au coup d'envoi. C'est le message psychologique. Vous ne dites pas, ok, on a des absents, on a des blessés, mais on est prêt à y aller, on est prêt à gagner, on est prêt à vous battre. Voilà. C'est un message assez positif qui va vers de l'avant. Peut-être que vous allez vous planter quand même, mais voilà, le côté positif de ce message, voilà, fait que vous pouvez espérer quelque chose. Là, le message, comme Reims a pu l'envoyer également dans cette animation-là, c'est on a peur, on a des absents, on a des blessés. Voilà, on va changer parce qu'on ne peut pas faire autrement, même si on aurait pu faire autrement. Le PSG aurait pu jouer comme d'habitude en 4-3-3, un système que le PSG, dans lequel le PSG joue exclusivement hein, depuis de nombreuses années. En tout cas, sous l'ère Laurent Blanc, c'est tout le temps comme ça. Il y a eu très peu de changements. C'est toujours le 4-3-3 classique. Et bien là, le message psychologique que vous envoyez, c'est que vous avez peur, vous reculez, vous vous méfiez, alors que le PSG était obligé d'aller faire quelque chose, de marquer au moins un but à Manchester City pour pouvoir l'emporter. Donc j'ai trouvé ça terrible et ça me fait penser un petit peu au Stade de Reims, le message aussi que l'équipe renvoyait au coup d'envoi à son adversaire, à tout le monde. Et peut-être que c'est psychologiquement que le PSG a perdu, comme Reims a perdu des matchs également psychologiquement, encore une fois. Le 3-5-3-5-2 ou 3-4-3 n'est pas forcément un système défensif, et plutôt offensif d'ailleurs à la base, mais la façon dont vous l'animez, forcément, la façon dont vous le pratiquez, c'est terrible pour le Paris Saint-Germain et pour Reims dans l'aspect mental. J'ai trouvé des joueurs qui n'y étaient absolument pas. Merci de m'avoir suivi. Vive l'institution, vive le Stade de Reims.